Les tableaux de groupe de questions. Bien souvent, lorsque l'on a des questions échelle, on se retrouve avec une batterie d'échelle. On pourrait, plutôt que d'expliquer les questions échelle les unes après les autres, les regrouper toutes au sein d'un tableau. Pour faire cela, il faut d'abord les sélectionner. Donc, on va les sélectionner toutes de diversité des programmes, question 13, à caractère éducatif, question 22. En appuyant sur la touche majuscule, on les sélectionne toutes et on va les glisser sur l'espace central. Ensuite, on va tout de suite double-cliquer dessus. Par contre, vous voyez qu'en double-cliquant dessus, il me désélectionne l'ensemble du tableau. Malheureusement, on n'a pas la possibilité d'appliquer tout. Si, là, voilà, je crois que non, elles ont toutes été désélectionnées. Donc, en fait, quand je vais aller sur Calcul et que je vais faire traiter les échelles en nombre et enlever les non-réponses, OK, il va l'enlever pour cette variable-là. Quand je vais venir ici, onglet Calcul, il ne va pas l'avoir pris en compte. Donc, je suis obligé de faire cela pour toutes les variables. Calcul, nos réponses, traiter les échelles en nombre. OK. On va faire ça pour chacune. Alors, je vais le mettre en pause, le temps de le finir. Pas que la vidéo soit trop longue. Une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir sélectionner l'ensemble de mes objets, de mes tableaux, de mes tableaux de distribution, faire un clic droit et grouper. Cela va les regrouper ensemble. Et là, on voit que l'on n'a plus du tout de non-réponse. Et on a l'ensemble des questions qui apparaissent en ligne. Dans une colonne, on a la moyenne et à côté, on a l'écart type. Pour simplifier un petit peu ce tableau, on va enlever le graphique. Donc je double-clique dessus et dans Contenu, on va décocher Graphique. OK. Et on jette juste un petit coup d'œil ici à un indice qui apparaît, c'est l'alpha de Cronbach. L'alpha de Cronbach, en fait, il doit être inférieur à 0, il doit être supérieur à 0,8, pardon. C'est un indice en fait qui varie de 0 à 1 et qui explique, qui vérifie plutôt l'homogénéité qu'il y a entre les différentes variables, entre les différents items. Donc là, nous sommes à 0,89, donc proche de 1. C'est donc correct. En dessous de 0,8, ça n'aurait pas été très très bon, donc nous ne l'aurions pas fait apparaître.